pari qui se fait donc en équipe. L'objectif, c'est de pouvoir donc déterminer le nombre de 1 qu'on va pouvoir effectuer avec une quantité de dés qu'on aura choisi au préalable. C'est-à-dire qu'on va avoir deux des équipes donc, qui vont s'affronter. Et la première va par exemple décider de prendre 7 dés et va déterminer qu'avec ces 7 dés, elle va pouvoir faire 1, 2 ou 3 1. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire le plus gros... le plus gros choix, c'est-à-dire que si l'équipe adverse détermine qu'elle peut en faire davantage de 1 avec ses 7 dés ou faire autant de 1 mais avec moins de dés, et ben elle va décider de jouer. Et c'est l'équipe qui va faire finalement le plus gros pari qui va donc faire le lancer de dés. Et si elle réussit son pari, elle gagne. Et si elle ne réussit pas, elle va devoir donc jouer directement contre. Donc là, entre en jeu le gardien, en fait, qui va être. En gagnant des points. En fait, ce qui se passe, c'est que le gardien va pouvoir retirer autant de dés qu'il souhaite des 9 dés. Et s'il réussit à faire plus de 1 que le joueur qui utilise les 9 dés, il gagne, il élimine le joueur déjà, et il gagne autant de points que de dés qu'il a retiré. Et donc le gardien en retient combien? Ok, le gardien en retient combien? 2. Alors là, je vais tenter à en retirer 2. Non, je vais tenter d'en retirer 1 parce que de toute façon j'ai de l'avance, donc il y a des petites bonnes. J'en retire un seul. Et j'ai 2. Donc pour sortir de prison, t'as besoin d'en faire plus de 2. 3. Oh non. Ah, elle est sortie de prison. Bien joué. 29 aussi, c'est à. Noir. Ah non, je suis la tête, je suis pas du rouge, je suis pas. 3 sur 9. 3 sur 9. 3 sur 5. 8. 8. Okay, 3 sur 4. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Bonjour. Ah, ça avait fait vengeance là. Bienvenue en prison. Petit point en ce jeu. Bon, mais là ça va, y'a pas beaucoup de points à jouer. Tu peux sortir ton. Tu peux vraiment ressusciter ton coéquipier. Si tu fais 1-2-3, ou peut-être tu suis 2-3 trucs, 1-2-3 ou 2-3-4. Non, c'est un avancé en fait, tu vois. Parce que ce qui fait que du coup t'as un intérêt à essayer de jouer gros, tu vois. Et les autres ils vont essayer de réduire pour pas que tu puisses jouer avec eux pour faire une suite. Et en même temps, si tu réduis, ils se mettent en danger eux-mêmes, tu vois. Ouais, alors du coup, je vais en tenter 2-7. Allez. 2-6.2 sur 5. Ah. 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 Ah.